70% enregistré devant le public Ce chaud va vous renverser, venez nous voir au bois Ce chaud va vous renverser, venez-y sans hésiter 70% ça se passe les lundis Tu viens au pub ou tu restes chez vous 70% sur la chaîne Twitch de Toute TV ah, ah. hein Non madame! Bonjour. Ceci pour vous parler de la soirée douteuse du 22 mai prochain. Comme d'habitude, un épisode légendaire de 70% sera présenté devant public avec un invité international. Comme se Band, nous allons nous contenter de Aldo Coussette. Au lieu d'un set de DJ traditionnel, ce sera un karaoké de style douteux avec des chansons telles que... <laughs> ou encore... et... et c'est vous qui allez participer. Donc, venez nous voir au Brouhaha le 22 mai prochain. Scannez le code QR pour la liste des chansons qui vous seront proposées. Venez chanter avec nous dans le rire et la bonne humeur. Le 22 mai prochain au pub Brouhaha ou sur Twitch TV 1. Toute une panoplie de... De, de dragons de différentes espèces voudront mm, exprimer euh, transmettre leur leur fréquence lors de ce soir. <mérite> Et je croise Ringo dans la chapelle six Il me dit que la terre est plate comme Kilberkin La blague est mauvaise, je lui colle un pain Il me traite de bâtard, d'enculé de reptilien Blanc, bleu, blanc, bleu Blanc, bleu, blanc, Et je vois Shella qui sort sur un off 51, elle dit trop les petits gris. Elle me dit fuck up, j'ai autre chose à glander. space pour pas 100 balles, et Ringo est fourré. Blanc, blanc, Citron est à L'intra-terre, après le 3ème 13, ils sont l'univers. Les Illuminati, du Paris, c'est leur maison subtile. Et il y a en qui tu Combinaison latex, triangle des un puisque dans l'espace, nazi du pôle sud, je danse mon beau

On appelle sortir de notre zone de confort. Wow! Pas de joke, mesdames et messieurs, vous venez d'entendre une tourne de cette année de Ludwig von 88, mettant en vedette Karl et Marie. Quelle découverte! Je ne savais pas qu'il faisait encore de la musique. Salut tout le monde. Mon nom est Tommy Godette. On va se jaser dans quelques instants. Avant, je veux qu'on donne un petit peu d'attention à cette bannière qui nous a été faite par Martin Godette. Un wow. petit peu comme d'habitude, hein, de, 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 je vais le dire, de tout ce qui est TV. Là, je vais enlever euh, le, notre amie Tina pour bien la voir. Tu euh, sais hein, que ça, c'est le woke euh, qui est pris dans la toile euh, de tous ces grands journalistes <laughs> citoyens atteints de citoyennisme, <laughs> citoyennisé, euh, le citoyennage, euh, citoyennisant, laudé de citoyennisme. Euh, et bien, il y a une citoyenne qui est avec moi. Bonsoir. Euh, comment ça va, Marie-Ève? Ça va bien, Tommy? Je suis contente d'être ici. Ben tant mieux pour tout le monde, Colin. C'est win-win. <laughs> Mais... ben, content de t'avoir avec nous. Peut-être, vu que c'est la première fois, tu peux te présenter un petit peu. Bien, probablement, ce pas la première fois. Ben hein. c'est la première, <laughs> ben, moment, la première être... fois que tu es co-animatrice et que ton nom est sur la bannière. c'est ça. ça. Fait il y en a parmi vous qui sont censés m'avoir déjà vu. Je sais qu'il y en a qui ont déjà dit dans le chat des petites références. La salto drudique ben oui, hein, je suis russe. Mes deux parents sont irlandais. Donc, euh, ouais, euh, je suis vraiment contente d'être ici. Puis, je voulais faire un, un petit shout-out à Saint-Toublon parce qu'ils m'ont aidé à choisir ma bière. Puis, elle est vraiment bonne, ma bière. Ça se fait. Elle est vraiment fait. bien équipée pour la soirée. Je pense oh. pas qu'elle ait été payée non plus pour ça. Elle y va de cœur. Moi, je remercie notre chum Luc. D'ailleurs, ah ben non. C'est vrai, ça a été caché à quelque part, j'ai quelque chose de beau dans ma boîte, dans mon coffre à Rangen, si on se rend là. Euh, avant d'aller plus loin, ben, merci Marie-Ève d'être avec nous, mais je veux oui. qu'on remercie tout le monde ensemble. Les fouineux d'être avec nous encore, c'est incroyable, ils sont là à chaque mercredi, merci beaucoup les fouineux. La douterie doutante, le son est bas, ou oh, c'est moi, ça se peut, ça se peut. Tiens, si je fais ça comme ça, ouais, ça a ça l'air d'améliorer un petit peu le shit. Donc, euh, voilà, on vous souhaite une très bonne soirée à notre antenne. Il y a tout un espèce de petit laïus à passer au travers avant d'avancer la chose. Où l'ai-je mise C'est euh, un petit peu là, c'est pas mon genre de perdre mes affaires de même. Et voilà, il était caché ici. Euh, Marie-Ève, je vais te demander de lire mm -hmm. pas mal d'affaires pendant la soirée, les premières étant celles-ci. Mais avant, je veux. Vraiment, un gros, gros merci à toutes les personnes qui partagent le show. Euh, pour moi, la publicité, je vous dirais, avant la désinformation, la publicité depuis 20-30 ans que je fais des shows, c'est quelque chose qui me met toujours très mal à l'aise. Je, 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 je suis grandi dans l'envahissement publicitaire des années 90, euh, 80-90. Je trouve que maintenant, il y en a trop, il y en a partout. C'est une des causes qui me touche beaucoup. Donc, euh, pour moi, c'est important de, de, de respecter le fait qu'il y a des gens qui me font de la publicité, qui mettent leur crédibilité là-dessus. Et moi, de mon côté, ça m'empêche de mettre de l'argent dans cette... Euh, monstruosité que je pourrais, euh, je pourrais en parler longtemps. J'ai étudié la chose de toutes sortes de manières à l'université de surcroît. Euh, donc voilà, c'est pas quelque chose que je prends pour acquis et c'est non plus quelque chose que je prends à la légère. Merci beaucoup de nous permettre de, de bien grandir, pas de beaucoup grandir. Je trouve qu'il y a une marge importante entre les deux et j'ai tout le temps accepté depuis 20 ans que je fais des shows bénévoles. Là, je suis plus bénévole, je pense plus que je peux dire ça. Mais depuis tout ce Pour temps que je fais des en train shows. de l'engouement, faut commencer par quelque part émoticône souriant. <laughs> émoticône souriant, merci, CareFrame. Merci, tout le monde. Donc, là-dessus, <laughs> sur ce petit mot du début, je rajoute tout le temps de l'éditorial d'un bord ou de l'autre. Avant de t'inviter à lire ça ici, Marie-Ève, j'aimerais que tu nous informes un petit peu pourquoi tu as choisi la trame sonore de Harvest Moon à mettre en background ce soir. Ben c'est grâce à ça que je suis capable de parler anglais. Puis je pense que c'est vraiment un atout de pouvoir euh, être bilingue euh, puis ça je dis, je dis ça avec toutes choses égales par ailleurs parce que tu sais je pense d'être euh, capable d'accéder à des sources d'informations qui soient à la fois du monde anglo-saxon puis du monde francophone ça permet je pense de ça me donne un avantage puis c'est grâce à Harvest Moon parce que quand j'étais petite j'aimais bien ça ce jeu là puis je comprenais pas nécessairement l'anglais tu sais je viens de l'Assomption c'est un petit village il y a personne qui parle anglais mais mon père il venait de l'Estrie fait que tu sais là bas ça parle un petit peu anglais quand mes parents passaient le samedi enfermés dans leur chambre puis que moi j'étais seule ben je jouais à Harvest Moon puis quand je comprenais pas un mot ben je glissais en dessous de la porte à mes parents puis mon père éventuellement ça revenait sous la porte avec le mot je en français. En de qui je me souviens de qui je suis. Évidemment, il n'y a pas juste un vieux De qui je me souviens de qui je suis. De qui je suis, je Mais, me souviens de uh, qui je pour suis, moi, je C'était vraiment big quand j'étais petite, fait que moi j'associe ça à ça, fait que c'était mon jeu euh, en Voilà, thématique. voilà, ça t'a rendu bilingue. Les jeux vidéo, c'est une très bonne manière de devenir bilingue. Euh, moi aussi ça s'est passé beaucoup par là. Donc euh, maintenant, s'il te plaît, Marie-Ève, c'est un petit peu le « euh, Je vous salue, Genre, C'est un laïus, on le lit au début de chaque show. C'est un éditorial qu'on essaie de, de tenir. Donc, euh, voilà, je te laisse annuler ces trois paragraphes. D'accord. <laughs> Dans le Mercronspi, on découvre en public un discours politique public, partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de gros bon sens aux idées creuses, voire radicales, et de tirer un peu toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. On essaye. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, la patience, l'humilité et le pardon. Notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les dés désinformateurs qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne vise pas les, les mésinformateurs, que l'on considère victimes des désinformateurs et trop souvent prisonniers de chambres à écho étanches. Voilà, c'est très vrai. Il y a une marge entre les désinformateurs et les mésinformateurs, et on essaie d'être critique le plus possible. Donc voilà, ça se tient. Est-ce que je continue? Bien sûr. Nous sommes tous au sein de Chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir ces chambres à écho. On est ici, dans le Mercronspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre écho, c'est se mentir. C'est vrai. C'est vrai. Faut choisir ces chambres écho comme on choisit ses boxeurs. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100 c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0 et ça aussi, hein, on est tous un peu conspi. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas en train de, 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 de nier cette facette-là de l'humanité. Être suspicieux sauve des vies. Euh, apprendre à détecter les charlatans sauve des vies, des familles, des, patri des patrimoines. Euh, je prends un instant pour vous remercier. On est déjà en locomotive de l'engouement. C'est vraiment très apprécié. Merci beaucoup de nous aider à continuer à faire euh, ronner la chaîne et à l'améliorer. Maintenant, mon nom est Tommy Godette. On a ici Marie-Ève Wimette qui est... Voilà, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis un journaliste. Madame est étudiante pour l'instant. En quoi d'ailleurs, suis tu Mais là, Je viens de finir un bac en enseignement euh, pour l'éthique et culture religieuse. Wow, oh, cool. Bon. Donc, je commence une maîtrise en sciences des religions. Bon, ben voilà, à se garder occupée. Euh, mon intention et même ma prétention, c'est de fournir des pistes de réflexion. Et tentez de faire un tour d'horizon fiable, jamais avec la prétention de vous offrir un travail journalistique qui se veut solide à 99,9 Si un des sujets que j'aborde vous chicote, vous interpelle, je vous recommande grandement de faire vos recherches. En gardant l'esprit ouvert, vous pouvez m'écrire. Si tu te retiens de me traiter de gros mange-marde, même si tu haïs ce que je fais, je vais te répondre tranquillement. Il n'y a vraiment pas de pression. Si tu n'es pas capable de te retenir, de m'insulter, ben peut-être ça va être plus difficile. Donc voilà, ce n'est pas du journalisme, c'est du divertissement qu'on fait. Il y a une marge entre les deux. Et j'en profi profite aussi pour vous rappeler que des « red pill moments » que tu découvres de quoi qui changent ta vie bout pour bout, c'est bien, bien rare que ça arrive. Fait que si tu as l'impression que ça vient de t'arriver, il y a peut-être plus de chances que tu étais fatigué ou un peu trop sous. Check tes flûtes, prends ta distance. Reste relax. Le plus important aussi avec le Mercronspi, c'est que ça rende heureux. Euh, si le show, à la fin du show, vous vous sentez plus en colère qu'au début, si vous accumulez des frustrations, il est temps de prendre une pause. On se fait offrir un, euh, je pourrais dire, un, 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 un euh, voyons, un soap opéra, un téléroman gratuit qui nous est un petit peu imposé, qui, qui, qui a une incidence sur notre existence et le reste. Mais vraiment, il faut apprendre à consommer le merconspi et le conspirationnisme avec une certaine hygiène, selon me moi. Merci beaucoup, Steve. D'ailleurs, ce n'est un qui l'a échappé, hein, Steve? <laughs> euh, sinon, ben, un gros merci aux modérateurs et modératrices. On a une ligne éditoriale très sévère sur la chaîne. Et on pense que c'est une des forces de notre chaîne. On est très sévère. Donc, si vous vous faites effacer un commentaire, rappelez-vous, moi, qui dit tant mieux, ça prouve qu'on est sévère. Ton premier réflexe ça va être de te dire ben là celui d'en haut c'était bien pire que ce que moi j'ai écrit, c'est pas grave, des fois il y a des erreurs, développe cas. pas d'émotion, on avance, il y a du monde qui ont lu ton affaire pareil, c'est vraiment pas si grave que ça. Le travail de modérateur et de modératrice est excessivement difficile. On est presque 400 personnes qui sont en train de jaser d'un sujet très clivant comme vient de le lire Marie-Ève, on essaie de faire ça en restant empathique, en restant gentil, patient. En prenant sur nous plus que de devenir des victimes. Si vous avez un réflexe de devenir une victime parce que vous vous faites face à un commentaire, faites pas ça. On n'acceptera pas de commentaires sur euh, l'orientation sexuelle, les patterns de consommation, euh, les, les, même l'apparence le moins possible. Même si la personne vous la trouvez de votre goût, tu peux le dire à la personne qui écoute avec toi, de l'écrire dans le chat. Je ne sais pas si c'est indispensable. « Ses cheveux, j'aime ça. »« Ben voilà, OK, c'est correct. » Mais là, on n'insiste pas. On pense à d'autres choses. On essaie de parler des idées. On parlera pas non plus de ces affaires-là. le <laughs> Gwokdet. Yes, »« Niaiseux. »« Cuse-toi une bine. »« Tommy Gwokdet. » Sinon, ben, euh, si les émotions débordent, ce qui est tout à fait normal, euh, on insiste. Ce n'est pas en... En bardassin que ça va bien se digérer. On encourage le bourrassage hein, en collaboration avec Bourras R Us et, et les bourrasseurs de la Rive-Nord et les petites bourrasses de Laval. Euh, le bourrassage, voilà. Ici Marie-Ève qui va nous montrer comment faire. Là, admettons, Jean-Jacques Crèvecoeur, il dit à plein de madame il dit, vous devriez pas vous faire vacciner parce que vous allez devenir stérile de mère en fille. Toi, tu trouves ça niaiseux. Fait que là, Marie-Ève est en train de donner des, des petites tapes dans son <laughs> oreiller, voilà. Il voilà, n'y a, a pas de mauvaise manière de bourrasser euh, tant que ça ne tombe pas dans le bardassage. Le bardassage, ça brise des objets, ça dérange de la vie des, des êtres vivants. Euh, le bon bourrassage, ça ne se fait pas non plus dans notre chat, s'il vous plaît. Tu as des beaux cheveux, Tommy. <laughs> Merci, je ne suis pas habitué de le laisser là. Euh, sinon, ben, une petite dernière je cache la majorité des commentaires des noms des gens qui postent, parce que le but, c'est pas de se trouver des ennemis ou de focusser sur des, 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 des personnes en particulier ou d'aller achaler du monde. Notre but, c'est d'explorer une mouvance idéologique et politique qui a des répercussions sur nos vies à nous. Donc, je cache les noms. Si des fois, en tant qu'être humain, j'en oublie, merci de jamais aller achaler personne, même pas en privé, mais ben surtout pas en privé et même pas pour faire une blague. C'est pas la manière de faire. Et sinon, ben, un gros merci à mes pochers de clip. On a encore une très belle soirée pour vous. Euh, des événements ont retenu notre attention, on va dire ça comme ça. Euh, je vais développer un petit peu plus euh, dans quelques instants. En, atten en attendant, euh, le Preacher, oui, c'est ça, J'ai, euh, <laughs> c'est notre, notre conspi qui est aux cieux que le Preacher avait fait. Euh, je suis rendu au lien de la semaine. Euh, je vous encourage de cliquer, tu, sais, tu gardes ton doigt sous contrôle, puis tu cliques, puis là, ça ouvre un autre onglet dans ton browser, puis tu checkeras ça plus tard. Sinon, vous pouvez les retrouver sur euh, mon blog personnel. Euh, Aujourd'hui, d'habitude, hein, on partage un lien pour aider euh, l'Ukraine qui se bat contre la connerie. On partage aussi un lien pour aider les minorités sexuelles autochtones. Pour faire chier Alexis aussi, des... là, même si je veux dire, je pense <laughs> qu'il y a du monde qui a besoin. S'il y a du monde qui a besoin d'aide, c'est certainement les minorités sexuelles autochtones. Probablement si on parle de population au Canada en majorité. Là, je, je veux pas. Euh, C'était comme raciste, sexiste ce que je viens de dire, mais c'est pas le but. Là. Alexis, lui, trouvait que ça l'était. En tout cas, je forme ma gueule. Ce que je fais, c'est que j'avance aujourd'hui, c'est le 17 mai. Et le 17 mai, à chaque année, c'est la journée de la lutte à l'homophobie et à la transphobie. Donc aujourd'hui, je vous encourage plutôt à cliquer sur mai 17 mai.com Il y a un onglet pour faire des dons. On voit très bien ces temps-ci à quel point c'est loin d'être gagné le droit de s'en calisser de ce qui fait bander ton voisin. Yeah. Ça, ça me fait vraiment beaucoup chier. Un gros coup dans la face de Sortons les radios poubelles encore cette semaine. Le système juridique québécois qui est en train de d'enlever de, 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 l'anonymat tranquillement. Là. Il y a des avocats chers payés qui sont en train de, de creuser pour avoir accès à des comptes. De... Je ne veux pas me porter garant de Radio Poubelle d'un bout à l'autre. Euh, je sais que des fois, il, il, il était peut-être un petit peu plus vorage. Je ne pense pas qu'il y a eu de doxing. Je pense pas qu'on est allé là. Euh, mais, mais je veux dire, ils ont, ils ont un important travail d'archivage de conneries de Radio X. Et Radio X est laudé de pelles et de pompes à conneries et on le sait, Radio X efface les archives quand ça fait leur affaire. Donc, si on veut les retrouver, si on veut se faire une vraie idée de ce que c'est Radio X, euh, sortons les radios poubelles, c'est un outil indispensable ces temps-ci. Et l'offensive légale, je trouve, ça, euh, je trouve ça lettre, mur à mur. Ici, il y a Joe Lindigo qui a été dans le journal, on va en reparler un petit peu tantôt. On a aussi un article du journal Le Métro que j'ai trouvé très intéressant parce que à partir de la euh, de la pétition d'Éric euh, Duhem, on a de, en fait du sondage qui a été commandé là, qui, qui revenait à rien, là, on a réussi à établir un profil, un, un portrait de la personne typique anti-drag queen. Vous allez être très surpris. Non. non, non, tu ne vas pas être surprise non. en fait. <laughs> Et il euh, y, y a le Canada, on va en parler un petit peu ce soir, je vous encourage à faire vos recherches. Euh, le Canada qui euh, s'intéresse ou qui est curieux à l'idée d'émettre sa propre crypto monnaie Ici, c'est la Conspiracy Charge euh, de Chart. C'est quelque chose qui existe depuis une coupe d'années. Ça a été très contemporain de ma première euh, classification de conspiration. Là, vous allez voir, c'est comme l'ordre de gravité conspirationniste. C'est très intéressant, même cette, cette version-là. Vous pouvez cliquer sur telle ou telle conspiration euh, pour aller en apprendre. Ici, ben ça, c'est un des... Euh, quand je dis que quelqu'un est écrouté euh, Jacques-Antoine Normandin, ça en est un de ceux qui, euh, qui est au cœur de ma compréhension de la chose. Euh, Jacques-Antoine Normandin, c'est le pape, le pape, le... le, le le, 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 le parrain de tous les souverains au Québec. C'est lui qui a formé Mario Roy. C'est aussi un des maîtres à penser de Joe Lindigo. C'est quelqu'un qui est assez particulier et qui était dans le journal, ben en fait, qui était en cours cette semaine pour avoir envoyé des menaces de mort au premier ministre. Un article que j'ai trouvé intéressant. Ici, je l'ai appelé Joe encore dans le journal parce qu'il a été encore dans le journal. C'est vraiment, ça déboule dans le Joeverse la semaine passée. Euh, il avait fait un live de 5 heures en harcelant, en étant excessivement violent avec euh, une dame, euh, ben, en fait, des, des réceptionnistes, et souvent des dames réceptionnistes au euh, oh, euh, 911. C'était insultant. Et cette semaine, on va en reparler tantôt. J'ai décidé finalement, j'en parlais. Euh, on, est, on est dans l'incendie et dans toutes sortes de. C'est incroyable la vie de ce gars-là. Que... Et euh, cinq choses qu'on a vues à la manif anti-drag queen qui s'est passée hier. Ça vaut la peine. C'est un petit peu un complément aussi à ce qu'on va discuter. J'ai un bon bloc là-dessus. Vous vous en dotez. Doter, oui, douter. Et un dernier lien, mesdames et messieurs. Je suis très content de vous convier tout le monde à un questing printanier samedi le 27 mai qui vient. Euh, Habillez-vous avec votre costume d'Halloween. Sortez vos armes en plastique et venez nous rejoindre au Musée de l'Absurde. C'est cool. En crise, faire du questing. Pour cette fois-là, on prend le métro, hein, la chenille souterraine de métal. Et on se rend sur l'île au mystère pour aller probablement trouver des marmottes et autre chose sur l'endroit. Donc, voilà, c'était euh, le petit laïus du début. Merci de votre patience. Merci de ta patience à toi aussi, Marie-Ève. Est-ce que tu nous as préparé quelque chose à lire ce soir? Non, euh, parce que c'est ça. Je, je suis pas mal occupé dans la vie. Puis, mais cet été, si j'en refais un autre, je vais pouvoir le faire. Puis je ne serai plus en train de rédiger une dissertation. Bien, c'est fair enough. Oui, mais... Euh, je peux un peu dire euh, qu'est-ce que j'ai sur le cœur, euh, ces temps-ci? Euh, bien, je sais que pour certaines personnes qui me suivent, moi et mes stories, vous êtes bien informés. Mais euh, pour les autres, euh, ce n'est pas tout le monde qui se garde informé de qu ce qui se passe euh, en Ukraine, parce qu'il y en a plein qui sont tannés d'en entendre parler. Euh, mais je vous rappelle euh, qu'il y a encore des personnes comme vous et moi qui crèvent la nuit sous les bombes. Euh, et euh, je voulais juste dire euh, « Slava Ukraini »,« Heroïam Slava ». On avait des Ukrainiens qui sont venus au Open House, euh, ici au Musée de l'Absurde, euh, vendredi. Je les ai euh, invités, dont il euh, y avait euh, « Lera », qui est le diminutif de « Valera ». Euh, qui vient du Donbass. Oh qui, shit, hein, c'est elle, ouais, ouais. elle a fait une, vraiment une photo cool euh, au musée, d'ailleurs. Faudrait que je te l'envoie. Euh, vraiment une belle photo cool. Mais bref, elle me racontait que. Écoutez bien ça, c'est petit ma petite anecdote. Là. Son chum, c'était un gars en Bélarussie. Pas son chum, excuse-moi. Elle a peut-être genre 20-21, mais elle est déjà mariée là, parce que là-bas, c'est le même. Mais <laughs> 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 Puis. Euh, son mari euh, a protesté. T'sais, on parle de manifs puis tout ça aujourd'hui. Ben, son mari il a protesté contre Lukashenko avant la guerre et tout. Puis elle me racontait que euh, son chum a fui... Son mari... Merde, je suis pas habituée. Hein? Euh, son mari a fui euh, le Belarus après euh, avoir manifesté. Euh, ses amis se sont fait euh, arrêter et condamnés pour 15 ans de prison. Ouais. Ouais, ouais, 15 ans de prison. Lui, il est parti juste à temps parce qu'il se faisait euh, raider euh, sa maison après. Tabarnak! Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, on est vraiment chanceux euh, au Québec. Puis, tu sais, peut-être qu'on a peur des fois, puis on voit des affaires comme on va voir ce soir, puis euh, on, on peut se sentir un peu inquiet, et avec raison, mais tout n'est pas encore perdu. On est encore bien au Québec, puis c'est important... Euh, qu'on s'encourage, puis qu'on soutienne entre nous et qu'on fait ce qu'on fait aujourd'hui et surtout, comme tu le disais, avec empathie et bienveillance, parce que ce n'est pas la haine qui va euh, aider à préserver les choses. Au contraire, euh, Poutine et compagnie et tout, toute cette gang-là qui bénéficie de qu ce qui se passe, ils ben, espèrent qu'on va se fâcher, qu'on va céder à la panique, qu'on va se laisser atomiser comme ça, mais il faut résister. Et puis, je comprends qu'il y a des personnes qui veulent protéger leur santé mentale, puis juste pas être en contact avec des personnes qui pensent différemment d'eux, mais ce qu'on a dit sur les chambres d'écho, c'est vrai. Puis la seule façon de ne pas finir comme eux, c'est de ne pas se laisser diviser. Fait que, uh, big love. Très bien dit, vraiment. effectivement. Effectivement, il y, a, il y a une majorité raisonnable, tranquille, silencieuse qui... Euh, hmm. Voilà. Bean, je, je, je Bean me pose je... une question, je peux-tu répondre? Excuse-moi, trop... Mais oui. <laughs> <t 'as> eu... <laughs> euh, Bean, je les ai rencontrés, euh, juste pour que vous... Euh... Il y, a, il, y a des, il y a beaucoup de soirs. Euh, en ce moment, je pense que c'est au, au parc Jean Drapeau que ça se passe, là. Mais il y a des pique-niques ukrainiens. Euh, ouais. Fait que dans le fond, euh, un mané, j'étais à un party, j'entendais de la vraiment bonne musique. J'étais comme, c'est pas des kebs, ça. Fait que je mes amis, ils sont comme, t'es pas game d'aller demander. J'ai comme, moi, pas game, pas game, Fait que j'y vais. Puis il y avait des Français, puis il y avait des Ukrainiens. Puis là, finalement, on s'est mis à parler. Ils m'ont rajouté dans un groupe qui s'appelle, euh, c'est sur Telegram, euh, mmh. Pique-nique Ukrainien Montréal, mais c'est écrit genre en ukrainien. Puis, euh, dans le fond, j'ai été rajoutée là-dessus. Puis une des personnes qui, je pense, a écrit à toutes les filles que là-dessus m'a écrit. Puis finalement, ben, je, je, je l'ai rencontré, on a chillé, tu sais, bien plus jeunes que moi. Là. <laughs> Ils sont toutes jeunes. Puis euh, finalement, il y avait une date. Puis c'était la fille, ben, les deux filles, c'était comme... C'était l'ami de la fille qui faisait la double date. Voilà. Fait que Telegram a été... Euh, euh, Picnic! Tu sais, si tu veux sauger par là-bas un petit peu, fais sûr que tout tes saugé comme il faut. Ouais. Donc euh, voilà, merci pour ça. Ouais. Je, vais, je vais me lancer dans mon éditorial. Mmh. Moi aussi, j'ai sorti ça tantôt. Euh, je pense que je l'ai même pas relu. Fait qu'on va espérer que ça, ça se tient. Ah, peut-être que d'aller vers ça, Marie-Ève, est-ce que tu peux nous verser un petit shooter de l'eau 40 qui nous a été amené par mon bon chum Jean-Baptiste? Oh oui, Jean-Baptiste! Tu peux choisir le entre « je ressens » ou « je parle », je pense, aujourd'hui. Je pense que j'essaye je, je, de ressentir le moins possible, en général. Fait que je vais y aller pour « je parle », parce que ça, c'est ma zone de confort. C'est bon, ça. <laughs> est à l'aise à parler, j'aime ça. Fait que bon, on va se prendre le petit shooter, puis après ça, je vous lance. Euh, j'ai vraiment comme. Euh, tu arrivé, j'avais une phrase à faire, puis là, j'ai fait la page, j'ai rien relu. J'espère que <laughs> si ça va s'en tenir. J'ai confiance, j'ai confiance. D'habitude, oui, euh, oui, mon intuition, euh, elle me sert bien, j'oserais. Mm. Donc, euh, oui, hein, puis tu as, as <laughs> les bannières aussi. Hein, quand on dit enfant, on montre enfant. Puis euh, tu, peux, tu peux utiliser n'importe laquelle comme tu veux euh, shooter shooter merci ma chère c'est un plaisir de merci faire ça à avec toi, toi. Pour on, on vous souhaite une bonne soirée tout le monde à notre lanterne <laughs> <laughs> un petit shot de chaser hein, Chris? Je l'ai fait en double. Ah ouais, la madame... tes euh... sources sont dans mon cœur. Je l'ai fait en double. <laughs> Je n'étais pas prête. <laughs> Ils sont dans mon cœur. Fait que toi, tu as le temps de t'en remettre. Je vais me lancer dans mon éditorial. On l'a tous <laughs> vu venir. On en parle depuis si longtemps. Le lien entre le complotisme et l'extrême droite, nous, droite, bien entendu, nous explose au visage depuis deux mois. Et ça a culminé hier avec une autre action citoyenne, citoyanisante visitante à Citoyennement allait hurler citoyen après des adultes qui choisissent d'apporter leurs enfants à eux dans une activité de lecture qui est faite par un monsieur déguisé en Madame Flamboyante. C'était pas la première fois qu'il va hurler après des gens qui font ce qu'ils veulent. C'est pas non plus la première fois qu'il est attendu par les antifas et ce n'est vraiment pas la première fois qu'il, à Maléga, joue la victime après avoir été piqué par des abeilles d'un nid qui vient de botter. Toute forme de violence est répréhensible. Je ne suis pas étranger au fait qu'Amaléga, dans son ignorance crasse la plus sincère, ne réalise même pas à quel point son discours est violent pour les raisonnables autour qui le subissent ou l'ignorent, parce ça reste violent pareil. La place que ça me chicote, c'est à plusieurs endroits. Je trouve ça moche que le gourou conspire et en figure en figure en figurant, polarisant et unifiant de la droite décomplexée, se sente le besoin de continuer à les déranger des activités familiales auxquelles il n'est pas le bienvenu. On l'a vu et pour avoir essayé, j'y ai goûté. La discussion avec Amalega est impossible. Il est certain d'avoir raison. C'est un acte de fouet. Il est certain qu'il est en train de protéger des enfants contre les dragues et les mondialistes et que c'est la seule manière d'assurer la survie de la civilisation. On l'a vu venir jadis porté en héros. Amaléga galvanise et essaie de bouclier à d'autres figures polarisantes et qui sont elles aussi dans la droite amoureuse des complexés. André Pitre, Sam Grenier, tant d'autres se sont déjà cachés derrière ce que Amalega représente pour continuer à pomper du cash et du clic à des suiveurs convaincus. S'il n'y a pas d'Amalega qui fait des matchs de la LMM niaiseux, Amal euh, André Pitre, Sam Grenier, ils ont moins de monde qui sont occupés, qui s'intéressent à ça. Ils ont moins de live ou de choses à chialer pour faire des conneries. Voilà. C'est comme, mettons, quelqu'un qui... C'est comme Molson qui investit dans le, la LNH pour qu'il y ait des matchs de hockey pour vendre de la bière parce que ça prend une bonne Molex pour écouter son hockey. Je trouve aussi, et j'insiste, advenant que ce soit vrai, très dommage que des, entre guillemets, antifa aient eu recours à une agression. Je me permets encore une fois d'insister sur le fait qu'Amalega joue en permanence la carte de la victime. Faut se souvenir de lui qui hurlait au secours à des policiers parce que des gens l'avaient encerclé, et le gars du Canadien Tire qui aurait été raciste de le crier dehors parce qu'il voulait pas porter son masque quelque part printemps 2021. Il use de cette carte lors de tout son tout il use d'ailleurs de la carte de la victime lors de son tout premier vidéo, le hit imbécile scandait-il couché sur le dos au début du couvre-feu 2021. J'imagine facilement Amalega sortant à être harangué par des kidams habillés subtils. Il sort son téléphone dans la hâte, l'échappe, une escarmouche quand il se penche pour le ramasser, ses lunettes tombent. On a démontré depuis très belle lurette que la parole d'Amalega était comprise et n'avait valeur que par et pour lui et ses brebis. Et vraiment, j'insiste, rien ne permet d'associer ces éventuels truands à Antifa, le groupe, le, je ne sais pas si ça existe, le groupe Antifa. <laughs> Amalega a plusieurs ennemis. Par ses paroles et ses actions, on ne sait pas qui, qui l'a agressé. Ce qui me rend plus mal à l'aise par contre, c'est le fait qu'il aurait été agressé à la sortie de son domicile. Attendu par Antifa. Semblerait. Je ne sais pas. C'est lui qui dit ça. Je, moi je dis ça, j'aurais peut-être même pas dû dire ça par du monde. C'est ça que j'aurais dû dire. Je m'excuse. Ça, ça me dérange plus. Mais pas encore assez pour que je voie dans tout ça que la même connerie assumée et décomplexée, transformée en carotte pour guider des suiveurs galvanisés vers un réel agenda politique assumé. Et d'ailleurs, comme si ceux qui voyaient dans ces lectures de comptes à des enfants par des monsieur déguisés en femmes flamboyantes, autre chose qu'une lecture de comptes, faisaient encore une fois de la projection, alors qu'elles utilisent clairement ces événements inoffensifs pour pousser un agenda politique nationaliste à l'extrême qui teinte sur le fascisme décomplexé. Puis dans tout ça, le mot qui me fait le plus peur, c'est un que je dis de plus en plus souvent, c'est le mot décomplexé. Que tu sois cave, que tu penses que la Terre est plate, que tu sois anti-médecin, whatever, si tu es prosélite avec ça, si tu as de la honte de penser ça, si tu ne te penses pas comme supérieur à tout le monde, si tu t'es pas décomplexé, tu es moins prosélite. Et le fait que ce soit tellement prosélite, ce, 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 ce soit décomplexé le monde. Le monde, vous allez voir ce soir, on a des screenshots de gens qui demandent la pendaison de Valérie Plante parce que Amalega aurait été agressé par trois. Je dirais plus antifa, par trois humains en sortant de chez eux. C'est hallucinant. On vit un, on vit On vit une période sombre dans l'étude du conspirationnisme. On vit une période sombre. Sin... Tout à fait. Sinon, ben, au menu cette semaine, j'hésitais à en parler ce soir. J'hésitais vraiment beaucoup à en parler ce soir. On va parler de Joe l'Indigo. On va en parler parce qu'il m'a impliqué dans trop de conneries au fil des mois et les développements sont trop grands pour qu'on passe à côté de l'étude de cette nouvelle étape dans la vie du plus brillant des libres penseurs. Je pense que c'est un personnage qu'il y a beaucoup des fans ici qui connaissent. Euh, vient de publier un article sur le feu de Jonathan. C'est ça, il est rendu mainstream. On va suivre la courbe. Euh, on va suivre le, le personnage. On va essayer aussi de focuser plus sur les répercussions de ces conneries. Oh non, très pas faux. Oh non. <laughs> Merci, euh, Alex. Euh, donc voilà. On a aussi un très bon dossier du gros à Malega. Merci à Elga là-dessus. Et Un bon dossier sur la citoyenne enquête citoyenne, sur le COVID national citoyen. C'est très, très citoyen. Du Elon Musk des Chamtrails. Et pour finir, on écoute un Alexis au complet. Non! Oui? Non! Oui? Ben toi, tu vas peut-être être déjà parti, ça va être vers 1h du matin. Le grand reset s'en vient. Effectivement, Steve, il ne faut jamais oublier ça. Euh, Alexis nous explique pourquoi la nomination d'une mondialiste au board euh, comme chef de Twitter fait partie du plan des patriotes et que tout va très bien. Euh, tout, tout est compris. Tout, tout. Ben, comme d'habitude, Dès qu se pose de quoi, ça fait partie du plan, puis on... ils savent plus quoi faire. C'est ça qui se passe. Donc, euh, Marie-Ève, tu te sens prête? Yes. Est-ce que toi, public, tu te sens prêt? Oui! Yeah! Parfait. Bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réduire en bas. Comme d'habitude. Ben merci oui, vous aussi. Tout. Merci, Boudreau. Il dit merci à Merci, Douteux. C'est toi, toi et Douteux, Mathieu. Tu t'es dit merci à toi. T'es capoté. T'es un petit capoté, donc bonne soirée. On se lance. Ici, Ben il y a Dr Lisa Lanatone, qui est quand même quelqu'un d'intéressant à suivre sur Twitter. Je vous le conseille. Essaye de me traduire ça vite fait. OK. On va regarder la mortalité excessive. Excess mortality, ça veut dire comme la mort ce qui est plus que la moyenne normale de mortalité au Québec. Ouais. Donc les données jusqu'en avril 2023 sont maintenant disponibles et euh, la mortalité en excès en, chez les 0 à 49 ans n'a pas encore ralenti. À la première semaine d'avril, on a 59 plus de morts qu'à l'habitude à ce temps-là. Et euh, la semaine du 8 avril, on est à 71 plus de morts qu'à l'habitude. Ça serait la pire semaine de toute la pandémie. C'est pas parce qu'on en parle moins que c'est plus grave. C'est un gros merci à la vaccination qui nous a ramené un moment de la vie où on peut vivre avec le COVID. C'est hein? rendu endémique, ça existe partout. Euh, mais euh, c'est pas parce qu'on en parle plus que, tu sais, vraiment, allez vous faire vacciner. Niaisez pas avec ça. Euh, moi, je l'ai eu deux fois le COVID. C'est ça. C'est très contagieux. C'est. Voilà, je voulais juste rappeler ça ici. Parlez-en à votre médecin, sinon je, je veux pas donner de conseils. Il euh, y a des gens, ils mettent ma photo dans l'intelligence artificielle, puis <laughs> ils il, il demandent de, de me transformer en barman. De, de... Et euh, c'est tout à le les, les traits faciaux hein, qui ont de la difficulté. Comme là ici, euh, je reconnais bien nos ours hein, de, de son évolution euh, médiévale, mais le gars là, il me ressemble pas là. Non, il a l'air sympathique par contre, mais ce pas moi. Et ça, on a vu ça la semaine passée avec Pierre euh, Inoni de la chaîne Manigans, notre avocat de résidence aux Règes, qui est venu nous présenter un dossier sur quelles euh, solutions existent t il dans la loi autant en France qu'au Canada? Pour essayer de, 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 de répondre aux emprises sectaires et à ces affaires-là. Ça a été très, très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé ce tableau-là ici qui fait le fonctionnement légitime hein? c'est correct d'avoir des convictions. La zone dangereuse, quand les convictions deviennent des certitudes fanatiques. Fonctionnement légitime c'est correct d'être engagé. Je vous le souhaite même d'être engagé pour une cause. La zone dangereuse, c'est une soumission irréfléchie. Prestige du leader, avoir un bon leader, de reconnaître l'expérience de tes élites, des personnes qui connaissent ça, je pense que ça fait partie de la vie, ça fait partie du fait que, sans dire qu'on est dans une méritocratie, l'humanité, on a des projets qui dépassent un petit peu notre biologie. Je pense que le concept de leader, il est quelque chose qui s'est très bien transposé de, de l'étape, mettons peut-être, anthropologique d'avant qui y ait de la technologie puis de l'écriture. De nos jours. C'est correct de respecter l'expertise puis les connaissances de quelqu'un qui en a plus que toi. Je pense qu'il ne faut pas voir ça nécessairement non plus comme une compétition, ça peut être un échange. Voilà. Sinon, ben de l'autre bord, tu as le culte du gourou. C'est correct des décisions volontaires, des choix totalement induits. C'est pas la même affaire. C est, c est ça, c'est beaucoup en vente. Euh, mettons en restauration. Là. Tu vas-tu prendre un café Baileys ou tu veux juste un café avec le dessert? Fait que là, je lui ai pas dit, mettons, tu, 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 oui ou non. Là. Ce qu'il peut répondre, c'est juste aucun des deux. Fait que, tu sais, il faut qu'il pense en dehors de la boîte que je viens d'y proposer pour me répondre. Ça, c'est juste pour vendre un dessert au restaurant. Fait que quand t'as un gourou avec, tu qui prend l'argent et tout, recherche d'alternatives, culturelles, morales, idéologiques, rupture avec les valeurs démocratiques, appartenance loyale à un groupe, allégeance inconditionnelle, je trouve ça sublime comment c'est écrit. Je trouve que c'est... C'est très français aussi comme manière de faire. Je suis pas mal sûr que la traduction euh, vaudrait la peine, mais je trouve les, les mots sublimement bien choisis. Persuasion, persu, persuasion habile, pardon, manipulation programmée. La marge, je sais pas, est où entre l'une ou l'autre, là? Il y a de l'intention, il y a de la sincérité, il a... on est peut-être tout le temps en train de faire un peu les deux, mais quand que ça devient trop un ou trop l'autre, langage mobilisateur, néo-langage, jargon et langue de bois, le gouvernement, groupe fusionnel, esprit de corps, processus de formation de thérapie, processus de robotisation, euh, je trouvais la fois la, 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 la voilà, banalisation contre diabolisation. Vous recheckerez ça, hein? c'est dans le dossier qu'on a eu la semaine passée. Marie-Ève, j'aurais besoin de toi ici, assez c'est assez, je, je pense pas que c'est son vrai nom, là. si c'est ça, je l'ai pas caché, à pas le lâcher Je pensais que c'était le groupe, je pensais que quelqu'un l'aurait ajouté. Je prie pour de l'eau pure, de l'air pur, des aliments purs, du sang pur. De l'amour pur, une société pure, une collectivité pure et de la pure créativité bienfaitrice. Et je prie aussi que tous ceux qui polluent l'esprit, l'eau, le sang au nom de l'argent de cesser immédiatement et que s'ils ne cessent pas, que ceux qui sont en position de stopper leur carnage organisé le fassent immédiatement. Immédiatement. Fait en tout cas, le mot « pur » revient assez souvent qu'on imagine des... Trucs. Le sang pur, là... Le sang peut, c'est une affaire de vaccin COVID. Oui, mais ça sonne pas mal nazi en même temps. On va pas ça... se le cacher. Hein? Oui, oui, oui. oui c'est ouais. ça que je sais, oui. Ouais. Et euh, des grosses nouvelles, hein, ça fait quand même longtemps qu'on s'est fait annoncer ça. J'ai envoyé des SOS Canada sur Twitter à Trump, m'a répondu en privé. C'est écrit, ça arrive bientôt. Oui, madame, je suis sûr. <rire> <rire> fait que, ah oh oui, on les attend, les bonnes nouvelles. Donc, ça s'en vient. Euh, Trump, c'est ça, il a, il a tweeté à, hein, SOS from Canada to the United States Help. <laughs> le Canada, on manque de confort, viens nous sauver, United States Barté. Oui, Et oui. on a bien entendu les Walking Dead ici, hein, toutes les... Euh, <laughs> J'aime que j j Jérôme Mounet fasse la place de lui, je trouve ça, awesome. Là. Jérôme Mounet, Mounet, Mounet. Il n'y a, a, a pas beaucoup de madame hein, quand tu check ça. C'est ça, les Walking Dead. C'est ben, probablement que dans les Walking Dead, il y en manquait aussi. Salut euh, les euh, Illuminés du Québec. Euh, je présume c'est Nicolas dénommé. Euh, je suis très, très, très content aussi de vous montrer euh, cette photo d'Éric Duhem avec euh, une espèce de moutistache. Non! Non! Caturie, écarte ton micro un petit peu de ton mentor. <laughs> <laughs> Mais je ne pas de rire comme tu veux. Là. <laughs> euh, oui, c'est euh, une, euh, une vieille évolution d'Éric Duhem. Euh, il était en train de chialer ici avec Richard Martineau hein, parce que euh, l'opinion et le reste, c'est une image qu'on a pu savourer dans une rétrospective Éric Duhem qu'on a fait samedi dernier en direct du musée de l'Absurde sur cette même chaîne. Et euh, je voulais vous montrer ça ici parce qu'on avait au début, je ne savais pas, hein, le plus haut qu'on a récolté pour InfoSec la date, euh, c'était pour. Euh, c'était genre 300$ dollars sur la chaîne. Mais c'est vrai que c'est un petit peu niaiseux parce que le monde me donnait de l'argent. Jeff Bezos prenait une cote, puis là, je donnais tout ce que j'avais à InfoSec. On encourageait les gens à donner. Directement à InfoSec. Mais là, on a découvert une fonction sur Twitch qui permet de cliquer et tout l'argent qui est fait pendant le stream, quand on fait ça, va à cet euh, organisme-là. Et ici, il ben, y a, a quelqu'un ici, Gay Cosmos, qui a donné 16,66 pour nous amener parce qu'on oh. était à 650. À 666,66, 66, <laughs> je me suis dit, ça vaut un screenshot. Et au final, mesdames et messieurs, je suis très honoré. Et très fier de ma communauté. On a réussi à ramasser 1746 et wow. 66 pour Infosect oh. en une journée de 13 heures de live avec eric Duhaime au centre de la chose. La pire des affaires, je pense, qui est arrivée cette journée-là c'est que, et probablement la mieux, c'est que j'ai réalisé que juste dans mes clips découpés d'Éric Duhaime, j'avais 10 heures d'Éric Duhaime. Puis ça, c'est tous des clips qui sont découpés plus à partir de quand que lui y aurait été. Fait qu'on va faire une autre rétrospective, Eric Duhaime, un petit peu plus contemporaine. Euh, <laughs> comme, on, comme on fait à toutes les fois pour la rétro, les rétrospectives. Euh, J'aime mieux, tu sais, souvent quand c'est d'autres personnes que moi qui fait le montage, on se met d'accord, on donne ça à un organisme. On verra. On verra dans le futur. C'est moi qui ai fait les découpes. Et euh, j'ai écrit à InfoSec. Euh, j'ai écrit à InfoSec, pas pour avoir des merci ou le reste. J'ai écrit à InfoSec pour savoir. Euh, si le pipeline qui nous était offert par Twitch était vraiment swell. T'sais, moi, moi je, je, il était écrit 1746, j'ai pesé. OK, on arrête la campagne. Là, je suis allé écrire Bonjour, est-ce qu'on vient de faire quelque chose Est-ce que vous avez bien reçu cet argent-là juste, juste pour faire sûr que ce soit correct. Et là, l'excellent Mike Grobveld, mighty respect à lui, Mike, euh, m'a répondu ça à ma question. Et, et juste après, je ne vous ai pas mis le reste, là, mais juste après, j'ai dit Est-ce que ça te dérange, Mike, si je montre ton screenshot à ma communauté pour faire sûr que la transparence est idéale Et il m'a répondu Absolument pas. Passe une excellente journée. Donc, je pense que c'est une bénédiction. Je pense que vous pouvez tous passer une excellente journée, peu importe quand vous êtes en train d'écouter ça. Et uh, tiens, Marie-Ève, je, 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 je te demanderais de nous lire ça. Bonjour, Tommy. C'est vraiment extraordinaire. J'ai vérifié ce matin et le montant a été versé via PayPal. La seule différence avec les dons réguliers effectués via notre compte PayPal Giving est qu'il semble que Twitch prélève une petite commission sur chaque don. Le total est de 1746,66$. Les frais s'élèvent à 36 et 27 Nous recevrons 1710 et 39 PayPal paie généralement une fois tous les 30-45 jours. Merci beaucoup pour cette initiative et toutes celles que vous avez entreprises pour InfoSect. Je vous en suis très reconnaissant. C'est un plaisir, mon cher Mike. Donc, voilà, le, le pipeline continue là, mais moi, j'ai encore des questions parce que. Euh, c'est qui qui donne l'argent et qui, au final, a comme la déduction sur l'impôt? Parce que quand tu donnes à un organisme de bienfaisance, il y a euh, une déduction sur l'impôt. Donc, moi, j'aimerais ça comprendre le processus au complet. Euh, c'est déjà mieux. Je pense qu'ils prennent une moins grosse cote. Mais peut-être que, que, je ne sais pas, si c'est un don de 1700 qui vient de Jeff Bezos puis que là, ça permet à Amazon de sauver 800$ d'impôt, la, la moitié, 850. Je ne sais pas. J'aimerais ça comprendre. J'aimerais ça avoir une manière idéale de faire. Mais je suis très, très content. Et oui, effectivement, euh, je suis très content que la communauté s'est arrangée pour que ça finisse avec un 666 à la fin. <laughs> Vous êtes des tabarnaks. <laughs> Donc, on continue. C'est un petit peu de nouvelles de la semaine. On a appris ça, ça. Ça serait long de te mettre au jus. Tu connais euh, les pirates de Jeff Fillion? Tu connais le Dédomisatin? Ben, <laughs> Juste... je connais de OK. En, en fait, c'est que Jeff Fillion, jadis, il est parti une radio euh, Internet qui s'appelait Radio Pirate pour faire un petit peu plus d'argent, euh, s'ouvrir un Patreon pis ces affaires -là. Mm -hmm. et ces affaires-là. Et il a amené des rémoras là-dedans. c'est correct. Dans, dans le sens que euh, chaque bonne idée fait des. des tu sais, puis ça crée des communautés, puis ça jase, puis ça, ça j'ai pas de problème avec ça. Euh, mais ce qui arrive, c'est que dans cette communauté-là, il y a un gars qui s'appelle Frank le Dédomiseur, euh, qui a une maîtrise en philosophie et qui se dit Dédomiseur, et euh, qui Dédomise. Et moi, moi je veux savoir qu'est-ce que c'est Dédomiser. Et j'y ai, ai demandé beaucoup. Et j'essayais de comprendre, c'est quoi ça veut dire Dédomiser. Et j'ai jamais compris. Il a fini par me bloquer parce que je lui posais des questions. Quand, quand tu fioles sur ça, est-ce que c'est plus dédomisé que quand tu fiolais sur ça? Ça revenait souvent avec du chiolage Et là, il y a un Michael, que, que pour qui j'ai beaucoup de respect, qui, qui lui a demandé, je, je n'ai pas le thread avant, mais ici, on a ce qui me semble, et c'est peut-être à volonté archéologique ici, ce qui me semble la plus juste, actuelle et précise définition de ce que peut être le dédomisage. Okay. OK. Et là, Frank, il dit ils ne font que chioler. Parce que sûrement, quelqu'un a comme critiqué leur produit comme étant que du chiolage. Et du temps que j'y avais droit, c'était beaucoup de chialage. Puis, tu sais, je, je sais pas, là, moi, je constatais que je. Ah, tiens, tu chiales ici encore, mettons, tu Puis, ah, tiens, ça ici. là, des fois, tu sais, je, je checkais ces trois pauses dernières. Ah, ça, c'est du chialage. Ah, là, tu chiales. Ah, <laughs> Puis, Puis là, il fait. Ils ne font que chialer. « Hey, salut Jeanbon, merci pour le raid, c'est très gentil. » Toujours le même « argument », entre guillemets. Je pense que c'est un argument. Par définition, tout chroniqueur ou animateur fait ça puisqu'il donne son opinion et que tu ne donnes pas ton opinion lorsque tu es d'accord avec quelque chose, ça n'intéresse personne. Il faut tout expliquer ou quoi. Et ça, c'est un cadre de pensée que je trouve excessivement restreignant pour quelqu'un qui est pour la liberté et qui se prétend en dehors du dôme. En quoi il n'y a pas manière de faire des commentaires positifs ou même neutres ou même didactiques ou même pédagogiques <laughs> pour en venir à avoir une discussion intéressante? En quoi faut chioler? Ça, hmm. ça j écoute, je trouve ça quand même pas mal, pas mal louche. Euh, je comprends que les algorithmes nous ont démontré que c'était le chiolage, la colère qui pognait le plus. Voilà. Mais tu sais, il faudrait peut-être se demander, Frank, sais tu il y a... Y a il a tu manqué d'attention quand il était petit? Ah, Peut-être je... que la seule façon qu'il y avait d'avoir de l'attention, c'était avec un groupe de l'opposition, ou quelque chose de même, là, tu sais. Mm. Oh, un petit peu d'empathie pour faire. Hey, hein, Check ça, Nicolas des dénommé, dénommé des empathies. Illuminés du Québec. Il écrit Petit dédomisateur, quand dédomiseras-tu donc? Ah, ah, oui, effectivement. <laughs> Et on continue hein, ici, hein, Il y a deux ans, le 11 mai 2020, Bernard Lachance nous quittait. À leur place, j'éliminerais Bernard Lachance. Il est mort empoisonné. C'est ce qu'ils font. Coïncidence, hein? hasard. Je ne sais pas si c'est une situation, je ne sais pas si ça vient de où la situation Ça fait effectivement deux ans. Euh, ça avait créé vraiment beaucoup de malaise. Euh, sa mort sert. Euh, il n'est pas mort, euh, je ne sais pas, je ne veux pas manquer de respect. Là. Je, je vais essayer de. C est, c est... Ce qui lui est arrivé est vraiment recyclé à tous les niveaux. Là. Comme j'utilise une fois de temps en temps l'allégorie, euh, les Premières Nations utilisaient toutes les parties de l'animal mais les conspirationnistes utilisent toutes les parties de tous les drames qu'ils peuvent croire, croiser. Et ça, ici, ça n'est un qui a été vraiment à toutes les sauces. On continue ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça, moi, moi, je ne fais plus beaucoup ça. Là, j'en faisais plus dans le temps. J'allais sur différents groupes. Le plus gros groupe, hein, c'est plus comme, mettons, euh, le, là où on accepte les sourires, ou euh, à mort le masque, ou euh, SOS Science, ces affaires-là. Euh, le plus gros, euh, ces temps-ci, c'est... Le, les cent mille, les le, en tout cas, c'est à cent mille Québécois tout ceci va changer là, sur le mythe du centième singe, puis tout, pis tout. Et ça, j'ai caché son nom. C'est quelqu'un qui était un des fondateurs, un des admins. Je te laisse nous lire son, son petit coming out. Au revoir, les amis. Je n'en peux plus du jugement spirituel puriste. Quand c'est rendu que le juge par les couleurs et créé de la division dans les groupes, cela ne me rejoint plus. Alors, je quitte les 100 mille. Bonne chance et à venir à tous. Voilà ce que me dit une modératrice du groupe Les 100 mille Éveillés du Québec. Lol. Mon aura est tachée de vert à cause de l'ayahuasca et c'est la couleur des reptiliens. Fini pour moi, les 100 mille. Je dois rester sur Terre et m'occuper de ma famille et mon corps, ici et maintenant. Au revoir. Fait que bon choix. Il est jamais, il est, il est jamais trop tard pour sortir de la bullshit. Et euh, tiens, un premier clip pour ce soir. Le prix citron pour euh, le parti d'Éric Duhem pour sa mauvaise foi dans le dossier de la fête des mères et de la fête des parents, etc. J'ai envie de vous dire ceci. Si Éric Duhem croit que réécrire les faits et les surinterpréter lui permet de marquer des points sur le plan politique, il n'a absolument rien compris. Le Québec, monsieur Duhem, cher Éric, ce n'est pas les États-Unis. Faire de la politique à la Trump le condamne, selon moi, à demeurer. Un parti non, marginal. Non, je ne sais pas, Kato, c'est quoi? <laughs> Excusez-moi, j'ai encore mis le micro. Excusez-moi, guys. Excusez-moi. <laughs> Ils ont pris la version la plus euh, nihiliste intellectuelle du Joker, en plus. C'est surtout ce qui bouge. Zéro député, zéro crédibilité. Il paye pas pour ses taxes et pour le reste. Voyez. Ouais, il en est même fier. Parce que c'est euh, un intelligent. On manque d'espace ici. Voilà. C'est. Euh, moi, moi, ça fait. Ça fait quand même longtemps que je m'intéresse au conspirationnisme. Et les trois pires Gourous francophones qu'on a pondus ici au Québec sont. Ben, en même temps qu'on a hébergé, euh, c'est... Il euh, y a euh, Jean-Jacques -Jean Crèvecoeur que je compare à l'Empereur Palpatine, qui est un petit peu comme le, le plus puissant on the side. Il y a Alexis Cossette-Trudel, que je compare ouais. à Darth Vader, qui est comme le nouveau qui va unir la force. Et il y a Éric Duhem, que je compare à. Euh... <laughs> une larve. <laughs> une... C'est ça. Ouais, c'est euh, ouais. un... Jabba de hot. Ça, 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 ça pourrait être pas pire. Je pense ça. que c'est la plus grande honte de Le mon département, là, où je suis ma en ma maîtrise. Alexis Cossette-Trudel, parce qu'il a, euh, a fait une maîtrise. Je pense qu'il a... a pas réussi à la finir, mais en tout cas... Ok, oh, selon ce qu'il dit, il l'a fini puis c'était tempête à part de ça. Hein. ça en tout cas, faudrait que je check ça, ça, là, mais... Hey, c'est woke... Sont-ils avec nous dans la pièce présentement, Eric Est-ce ah, est que tu peux bonne, les pointer? Vrai. Ben oui, les, les woke qui sont en train de tout enlever. Parle-nous des woke, c'est trop injuste, ben oui. Un petit peu de mime d'Eric Duhem, hein? Accepte la fête des parents et prends quand même ta douche avec ta mère si tu veux. Ou pige 25 cartes, un hein? Woke Reverse. Astuyant. Et très heureux, hein? Écoutez, M. Legault, de voir les écoles qui voulaient remplacer la fête des mères faire marche arrière. C'est assez de vouloir effacer la réalité féminine. Ça suffit de vouloir être tellement inclusif qu'on exclut l'immense majorité des gens. Au cours des derniers mois au Québec, on a été témoin de Et ça, c'est vraiment l'énumération de l'Holocauste, là. Il y a du monde, comme nous disait Marie-Ève, ils ont des bombes sur la tête parce qu'il y a un imbécile à côté qui veut faire la qui qu'il reste fort. Puis nous autres, on a une motion de Québec Solitaire adoptée à l'unanimité afin d'exposer les enfants. Et là, j'ouvre tout de suite une parenthèse. Il n'y a jamais été écrit Drag Queen dans la motion qui a été présentée par Québec Solidaire. C'est de la démagogie pour mettre le feu à des sensibilités. Ce qui est écrit, c'est pour exposer les enfants à la Différence, mais Eric, il dit que c'est les drag queens. Remplacer ainsi une vraie femme qui lit un conte aux enfants par un homme déguisé en caricature de femme. Il y a, je pense pas que, mettons, ils vont dire non à une femme qui veut aller lire des contes, Eric. Je pense que tu devrais fermer ta gueule, Eric. Un amendement du Parti libéral afin de remplacer le mot femme par le mot personne dans un projet de loi sur les mères porteuses. Ce qui te touche directement, Eric, hein? toi, ça doit faire mal de lire ça. Il n'y a plus de femmes, là. Il n'y a plus de... Oui, oui, c'est ça, les mères porteuses. OK. Une ministre des Sports, Isabelle Charret, qui refuse d'exclure les athlètes trans des compétitions ah ouais. féminines et préfère gérer ça La au main. cas par cas. Ça, Eric, celle-là, cette troisième-là, je te trouve couillue parce que je te garantis <laughs> que si tu te ramasses au pouvoir, ça va naître une que tu vas dire, on va gérer ça de cas par cas. Puis sinon, toi qui vas avoir un mot moins de, de présence gouvernementale. Pourquoi là, t'en exiges plus? En quoi farmer ta gueule hostie, ça aurait été mieux pour tout le monde? Ben je vais te le dire, Eric, c'est parce que t'es un démagogue, qu'il n'y a pas de plan B, t'es en train de te peinturer dans le coin depuis 20 ans. Des enseignantes qui veulent remplacer la fête des mères par la fête des parents. Ça, ça a fait mal. Ça, on est passé, je ne sais pas si tu te souviens de ce moment-là, moi et mes colocs, on était enfermés dans le deuxième sous-sol. On s'était amené du canage pour survivre une couple de semaines. On pissait d'un bol puis les trois premiers jours, on rebuvait notre piste pour être sûr de rien manger. Ah bon. Là, il ne fallait pas faire de bruit. On était chacun dans notre coin parce que il y a une classe, une classe dans une école à une place qui a dit peut-être qu'on devrait appeler ça la, des, la fête des parents parce que tu sais peut-être que dans cette classe là il y avait des affaires que tu pas au courant puis ils sont pas passés par Eric Duhem puis morait puis Hey, je suis déjà parti Qu'est-ce qu'il tape ses nerfs sacrément. On s'en des enfants qui n'ont pas de mère, on s'en tabarnak. Les enfants. On Puis comme si c'était la seule raison qui pouvait amener à faire ça. Et là, ici, hein, celle-là, je l'ai montré la semaine passée, mais je trouve que c'est des répercussions. Là, ça, c'est Moret et Duhem qui ont provoqué ça. S'il si, si y avait pas parlé de ça, on n'aurait pas parlé personne. il y aurait eu une clause.